Soit sud-est, soit sud. Soit sud-ouest, soit sud-est. Ouais. Et bah espérons qu'on passe sur une bonne lignée. On a enchaîné deux belles games. C'est cool de pouvoir continuer là-dessus. Oui. Alors, là-haut, ok. J'ai même pas vu mes perks sur ce perso. C'est intéressant. Et du coup, les chasseurs légendaires, ils ont toujours le même, les mêmes compétences de base ? Non, il en a juste 3 aléatoires. Mais après, tous les persos d'accord. légendaires, ils ont un peu les mêmes perks en boucle. D'accord. Ça va souvent être détermination, des trucs comme ça. Enfin, c'est souvent des... Oui, voilà, ça, c'est les perks de base, mais qui sont utiles. Quoi. C'est ça. Ça t'évite, au moins ça te fait un perso avec déjà 3 perks et des fois tu peux avoir levier, tu peux avoir des trucs. Putain, les serveurs ils sont encore dans le mal là, je sais pas si c'est la même pour toi là. Moi je bouge plus carrément. Toujours sud, toujours vers l'ouest là je pense. Non mais la connexion elle était bonne pour toi ? Là d'un coup j'ai eu l'impression que ça fait un lag spike. Mais il semblait. J'ai l'impression que ça a foutu la merde aussi sur mon stream, c'est ça qui est bizarre. Bah autant il y a eu un lag spike. C'est très bizarre ce qui vient de se passer. Ah bah tiens, c'est juste là. Ah attends, il y a un cuirassé là. J'arrive. Je fais comme un mode zombie sur Call of. Il fait mal ce con. Merci. La deuxième là. Tiens pour l'instant. Oui, ça va être ta chaîne. Là j'ai une caisse enregistreuse juste derrière. Oh, j'ai fait un doublé de zombies. Ah. Je comprenais pas. On l'a une petite sacoche de butin. Ah oui! 19 putain. Là j'ai l'impression qu'il faut aller full fu- quasiment. Oh, Shaya. Non, c'est si j'essaye de taper alors que je suis au point américain, si j'ai la prise de soin dans les mains, ça va pas aller. Oh la slide elle. Ouais, j'ai l'impression que c'est dans la. Y'a des dogos énervés, y'a des dogos. Joueur en face au tapping. Touché. Oh merde. Je dis putain, il marche vite ce zombie là. Ils sont à la diligence. Ils sont engrainés. Attends, je balance mon scarabée. Je me fous derrière le mur. Ils sont. On sait où ils sont, garde-le. Là, tu peux le faire exploser sur eux pour qu'ils soignent. Oh oui, justement. Et tu chattes à travers la diligence. Oh, je suis un enfoiré. Allez, on y va, on les rush. Il y en a plus qu'un, on les rush. Merde. Attends, ils sont où ? Derrière la diligence. J'ai mis un headshot à travers. Dis-moi. C'est bon. Donc, c'est que la vue, elle est vraiment hachée avec le truc. C'est bon, je vais péter, normalement ça lui a pas fait du bien. Ah putain, arbalète. Ah c'est bon. Merci. Ouh. Ah putain, le headshot que je me suis bouffé. Ouais, j'ai vu. Oh oui, bah alors là... Attends, je prends même un joli screen. Dans l'œil. Oh merde. Oh merde, dans l'œil, vraiment là. Oh le gros stylo quoi. Le bout de bois. On les crame pas, hein, pas besoin. Ouais. De toute façon. Et l'autre là, la pauvre, à la distance, j'ai tiré à travers la diligence et s'est mangé une tête. Ah ouais, non mais là. Oh, $200 sur elle. Y'a des joueurs, non? Oui, joueurs. Info. Ouais, j'ai. Ping. Il s'est mangé une balle. Deuxième balle à travers.
Il y en a qui est mort, je crois. L'autre, il est derrière, je l'ai vu. Je balance des grenades. Il est sur la droite, je crois, maintenant. J'ai balancé une dérive, fais gaffe. Touché. Oh, un mort, un mort. Info. Aucune info, désolé. Pour moi, les deux sont morts, mais... Ouais, je pense que c'est ça. Y'en a un là. Ça, c'est toi qui l'as eu, celui-là. Au duel, les Klebs. Mais reste okay, aux Zadier. Okay. Non, c'est bon, il est mort, il est là. On a mar... Je, marge... je suis en train de piétiner son cadavre depuis tout à l'heure. Putain, il est où ce con? Genre, t'es en train de lui péter le crâne à grands coups de... À grands coups de babouche. Allez, let's go. Putain, mais il est où? Et du coup, on sait où est le boss. On va laisser le faire et on va se barrer. Parce qu'on a niqué la moitié de la map. Putain, le début du live a été catastrophique. Là, c'est bon, je suis chaud, là, c'est bon. Ah, mais là, ouais, c'est ça. C'est... Il y a celui qui arrive, on dirait. Bon, après, ouais, le mode solo, il est particulier. Les mecs, ils jouent quasiment qu'à ça. Ils sont... Moi j'y joue très peu donc j'ai pas l'habitude. Mais c'est ça, c'est. Bah en fait c'est que t'as vraiment deux jeux en un seul. Ça te force à jouer des builds, c'est par là-bas en fait. Ça te force à jouer des armes que t'as pas l'habitude de jouer donc t'es un peu perdu. Ah je suis content là. Même si on meurt là, je m'en fous, je la ouais, sors. Non, là on l'aura. Là franchement tranquille. De toute façon, il faut pas montrer que le positif sur YouTube. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Putain, il est solide ce con. Non. Finis-le. C'est bon. Je crois que j'ai quand même perdu une bulle. Mais attends, il y a un médecin. Ah oui. Ouais, par contre j'en ai perdu une, tout court. J'ai l'impression que ça tirait. Par contre, j'ai cru entendre un coup de feu. C'est un zombie, moi j'ai rien entendu, j'ai pas fait attention. Ouais, c'est ça. Ouais, bah alors, je pense que c'était au moment où t'as dû te baisser pour. Oh. Tu as entendu? Là-bas, ouais. Ouais, il venait de la même direction exactement, donc. Soit c'est un zombie. Après, en vrai, on va la jouer fufu. On va attendre qu'il se fasse le boss eux-mêmes et on va les rush. Bon, ok. Parce que là on a le boss qui est sur notre droite qui est là-haut. Mais oh je oui, préfère c'est... qu'on attende que tout le monde soit bien mort pour faire limite un grand chelem, tu vois. Putain, j'ai débloqué, j'ai eu une grenade. Parce que là on est 3, 2 fois, ouais 2 fois, 6 fois 2, 12. 6 fois 2, 12. Il y a combien de teams par game? 12, enfin 12 joueurs maximum. Ah oui, donc et vu qu'on en a fumé 4... Plus nous, ça fait déjà 6, donc il y a déjà la moitié de la game qui est morte, tu vois. Oh putain. Sachant que tu rajoutes ceux qui sont potentiellement morts par d'autres rencontres comme nous, tu vois, les différents tirs qu'on a pu entendre. Oui, c'est ça, voilà. S'il reste plus de 6 joueurs dans la game, c'est un miracle. Hein. Oui, donc ouais, un truc bien de ouf. Bombe de ruche ici. Merde, j'allais faire une blague, mais du coup j'ai oublié le mot. Du coup ça marche pas. Là mon objectif c'est qu'on bute tous les joueurs qui restent pour se faire les deux boss pépouze et se barrer. Bah... Est-ce que c'est pas un bon plan? Bah si, si si, bien sûr. Bon allez, on va se faire le corbeau parce que... Ouais, on... En plus, au moins, ça attirera les autres. Parce que les tirs qu'on a entendus, c'est sur l'autre boss, en fait. Ah ouais, donc... Tant pis, on n'aura pas le grand chelem, mais au moins, on est sûr de valider notre quête, plus 4 kills minimum. Sauf si les autres, ils veulent faire le grand chelem, eux. Ouais, pas de chance. Attention,
down. J'arrive. Je suis vraiment un sac. Ah, t'aurais dû reculer parce que je laissais la porte derrière moi ouverte. J'étais justement en train de. J'étais en train de me soigner pour reculer dès que possible, mais là. Sors. Pardon, bah merci. Recule, sors de là. Putain. Eh oui. Hémorragie. C'est les barbelés, c'est faut utiliser les armes qui coupent. Ouais. Attention. Putain, je l'ai tiré sur. Là, je peux les faire avec ma hache sans trop de problème. Voilà. Proche de moi, les trois. On a plus de balles par contre. Il y a des caisses de munitions partout, on peut pas. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, je viens de trouver. Ah, tiens, là, il y a sens toxique. Let's go. Moins cher que gratuit. Ça permet de voir les joueurs empoisonnés, ça. Ouais. C'est ça. Nice. Mais ça tombe bien, j'ai le pistolet qui est empoisonné. Et B. Mais c'était pas B4 qui voulait faire justement un build poison. Je me mets à l'étage pour sniper pendant que ça s'écure. Ouais. Ah, en même temps, ils sont fait l'assassin. Ouais, je crois qu'au moment où on commence le boss. Ouais. Alors, pour moi, honnêtement, je pense qu'on est les deux dernières teams en vie. Ouais, c'est ça. Donc, soit ils tentent le grand chelem, soit ils le tentent pas, quoi. Putain, je pourrais devenir philosophe. Là, je suis en haut du clocher, j'ai la vue sur tout le bayou. Ouais, c'est calme. Ah, puis ils sont loin de nous, donc ça fait du bien, on va se barrer derrière en plein nord, nord-ouest. Ok. Alors faut voir s'ils courent sur nous ou pas. C'est ça. On va le voir tout de suite. Bon, 100% ils vont se barrer marécage du Silur, ils vont pas tenter de dire. On le voit, hein, s'ils montent... Ça donne pas la position exacte, mais le. Oui, voilà, mais c'est ça, mais c'est. Vu comment ils sont loin, on voit. Même depuis la map. Les petits éclairs, tu les vois s'ils partent à droite. Exactement. C'est qu'ils se barrent à droite. Voilà, ça. Ouais, je crois qu'ils partent à droite. Hein. Ouais, non, ils vont. J'ai l'impression qu'ils s'en vont marécage. Ah, tiens! Attends, mais. Pour l'instant, ils bougent pas réellement. Ouais. Ça, c'est. Je pense qu'ils sont en train de débattre. Ou ils sont peut-être en train de se faire attaquer par une troisième équipe encore plus. Ah, oui. Bah, on verra bien hein, s'il y a une. Si ça drop. On peut avoir un vieux ninja solo avec son arc qui est en train de nous scout, qui attend le moment qu'on sorte pour nous mettre une flèche en cul. C'est ça, mais vu qu'il est solo, il suffit juste qu'on prenne une autre sortie. Ouais, il passe à droite, on les voit, c'est bon. Bonjour, je m'appelle Gimli. Et ma hache.
Exactement. C'est exactement pour ça que j'ai ça. Ouais, ils sont en train de se brasser. J'ai jamais compris comment on écrivait sur un... sur un vinyle. Bon, bah, c'est pas compliqué en fait, ça, c'est quelque chose que je me suis... Non, c'est comment ça retranscrit de la voix, parce que genre, je comprends pour la mélodie. Enfin même, bah quoi que en fait, c'est tout aussi... Je scanne. Ouais bah clear, on se barre. 100%, il y avait plus que nous en vie sur la map. Ah, y'a un gros. Y'a un gros. Et merde. On se barre. Alors par contre c'est pas la bonne direction. Si. Ah merde, ça va plus à gauche. Donc ouais, bah en fait la voix en fait ça reste quand même que des fréquences. C'est juste qu'elles sont modulées beaucoup plus qu'une simple mélodie qui va se baser sur une note. Bah oui, Donc en gros c'est juste continuer de. C'est juste graver des fréquences par rapport à ce qu'il entend, et c'est pour ça que les. Comment dire. Les microphones de cette époque-là, et comme on peut l'entendre retranscrit dans ce gramophone, la voix reste quand même ultra étouffée, parce qu'en fait, les micros de cette époque-là n'étaient pas capables de récupérer toutes les fréquences. Je m'étais pas rendu compte qu'on se suivait pas du tout. Ah d'accord. Ouais, non, parce que moi, ça, je voulais partir, en fait. Parce que je partais poissonnerie, en fait. C'est pour ça. Si je partais poissonnerie et toi du coup tu partais entre le porc et la série. On commence à m'énerver avec le porc. Putain, j'y ai pensé, merde en plus. Ah, voilà, attends, je vais le faire. Bon, vu clairement là on peut se balader, y'a plus que nous sur la map. Donc... Oui, c'est ça, c'est... Ou alors peut-être... Un mec qui est totalement perdu. C'est ça, le mec, genre... Alors, comment... Ça m'est déjà arrivé. Je faisais des quêtes, j'avais ma prime sur moi, je me baladais. Mais ça nous était arrivé une fois, en plus, avec... Ah, mais là, c'est vraiment, genre, le mec, ça faisait... Ça faisait 15 minutes que je me baladais. Ça faisait 15 minutes que je voyais plus personne, j'entendais plus personne sur la map. Au point où on en est, on va aller full nord. Le mec, on se baladait, on faisait nos quêtes, ça faisait bien 10-15 minutes qu'on croisait absolument plus aucun bruit sur la map. Et il y a un mec qui nous a... C'est même pas en plus qu'il nous attendait l'extract, il nous campait. C'est le mec... Il est arrivé de nulle part. Coup de flèche. The end. Comme le boss. Ouais. Bah le boss de MGS3, il date de cette époque. Hein. Ah oui, donc... Vu comment il est vieux. Je vais en profiter pour faire de l'XP avec le boule. Oh, patate. Un forain serait fier. Est-ce qu'on vous a parlé d'ailleurs du sponsor YouTube C'est Findus aujourd'hui. Sur le flingue. Parce qu'il faut que je débloque ce putain de... Bon, en plus, on revient là où on a spawn en plus. Bah, c'est ça. C'est... On a fait un... On rentre à la maison, on va récupérer la caisse. C'est ça. Non, mais c'est bien, en plus, sur un max de zombies, ça fait un max d'XP, donc... let's go. Full bénéf. Il suffit en plus. Et même si c'est pas toi qui les tue, en plus. Ça sert à quoi d'ailleurs d'allumer les moteurs? Parce que genre je le vois mais... Faire du bruit. Faire du bruit et justement ça t'entends plus les bruits de pas par exemple. Ah ouais. Il y a un perc ici. Ouais, vite, je l'ai entendu là, je l'ai entendu. Ouais, il y a un gros connard qui a du barbelé autour. J'ai plus de stam. Ah bah j'ai déjà le tressé docteur. Arrête de courir. Putain, mais il me tape! Il fait mal ce con en plus! Ah, par contre, le trait. Ouais, je crois que justement, docteur, c'est celui qui permet de récupérer deux fois plus de vie. C'est ça. Avec chaque. Ouais, bah, je l'avais. C'était le trait avec lequel mon personnage. Un spawn, ouais.
Que j'ai. Ouais, ça donc parfait. Il coûte 9 points celui-là donc il est vraiment Ah ouais, donc putain, ouais, c'est. C'est comme celui qui permet de réduire la. Je vois, attends, je sais plus si ça soigne deux fois ou ça te permet de bander deux fois plus vite. Non, ça soigne l'équivalent de deux fois. Okay. Putain, mais. C'est à partir du niveau 25 qu'il faut les mettre à la retraite, c'est ça? Ouais. Ok. Tous les points, tous les levels jusqu'à avant la fin, c'est. Ouais. C'est que du. C'est 1000 points d'XP en plus. Ouais. Bon, c'est 100 points d'XP ça. C'est... Niveau 26, ouais. C'est 2600. Voilà une bonne balade. J'ai scout, il y a R. Non, 100%, on était les deux derniers. Oh bah tiens, ah, viens là toi. Il reste les deux connards. Il reste les deux types de connards dont t'as besoin. J'ai plus de Sam. T'inquiète. Tape-le un peu. Vas-y, j'arrive. La micro-patate. Ça tank, mais quand même. Une. Putain, il a bougé. Voilà. Catastrophique. Voilà, c'était une belle game, ça. 4 kills, un boss. Plein de points pour la quête. Donc, malgré. Donc, vraiment, c'est juste, il a fallu que... attendre que j'arrive pour que tu gagnes. Voilà, c'est tout. Bah, là, on est sur 3 wins d'affilée, là. Depuis que je suis là. Non, mais la Winfield, c'est goldé, hein. Ah bah de ouf. Mais ce que je la kiffe en plus, c'est qu'elle a... elle coûte pas cher. Ah bah là... Elle coûte pas cher, une tête c'est une tête. Une dette c'est une dette. Ah non merde, mauvais slogan. Ah bah voilà. 1184, 6600 d'XP. Oh, calme. De merde. Bon bah c'est bon, je crois que je peux le mettre à la retraite mon perso. Il est niveau 38. Ah, j'ai enfin débloqué les munitions blindées en plus. Parfait. Mettre à la retraite. Ouais bah je vais m'arrêter là je pense. Ah bah c'est bon, oui. J'ai regagné mon échelle de MMR. Les 3 wins d'affilée, ça m'a step up. Et ben je vais m'arrêter là, moi je pense. Allez, on va faire le petit tribut quand même, finir l'offrande. Parce que faut que j'aille chercher, faut que j'aille à la pharmacie, faut que j'aille faire des trucs. Donc... Il me manque 250 points d'XP pour avoir mon tribut. Quel dommage. Attends, c'était. Merde, c'est quoi que j'avais mis tout à l'heure? Pourquoi elle s'est corrompue? Ah bon, il me manque 10 immolateurs, enfin 5 immolateurs ou cuirassés pour avancer dans la quête. Ouais, je fasse ça aussi. Mais bon, nickel. Ah, Turfortif, ça a l'air pas trop mal, mais uniquement pour les builds full. Oh, Turfortif, non, c'est bien parce que ça, tous les ghouls, tous les trucs comme ça te permet de te les tuer sans faire trop de dégâts. C'est pas mal. Mais en fait, c'est surtout. Ouais, mais après, si tu veux vraiment genre faire un build full corps à corps, en vrai, tu prends. C'était quoi le. T'as celle qui augmente les dégâts des armes corps à corps. Tu aussi. Prends pas feu. Tu prends pas feutré. Pas feutré, jambe d'alligator, tueur furtif. Et voilà. Bon, allez, moi je vais m'arrêter là. J'hésitais à en faire une autre, mais je pense qu'il est 4 wins d'affilée. On va s'arrêter là-dessus et ça fait du bon contenu, ça a fait des beaux fights, des bons kills. Et on continuera plus tard. Des bisous YouTube, prends soin de toi et on se dit à bientôt pour une prochaine VOD. Allez, ciao, bye bye.